Yo tout le monde, c'est Yaya, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme l'a vu dans le titre. Et la miniature, les promotions et bonus de la semaine. Et oui, nous sommes jeudi, vous le savez très bien, chaque jeudi, il y a la petite vidéo où je vous présente les bonus et les promotions de la semaine. Tout d'abord, je commence par les promotions de la semaine. Bien sûr, avant tout ça, n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Franchement, go les 150 likes, ça me ferait super plaisir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, vous êtes tous les bienvenus pour ceux qui s'abonnent maintenant. Bon, tout d'abord, on va sur Internet et on va sur le site Legendary. Sur le site Legendary, nous avons un bon véhicule en promotion. C'est tout simplement celle-là. C'est une Porsche au prix de 1 138 000 dollars. C'est un véhicule à deux places qui est sorti avec le DLC Tuner, carte mythe tout simplement, il y a presque un an. Donc voilà. Et juste en bas, nous avons la Jester RR qui est au prix de 886 000 dollars. Un véhicule à deux places aussi et qui est sorti avec le DLC Tuner aussi. Franchement, deux bons véhicules que je vous conseille énormément, surtout la Jester RR, elle est vraiment vraiment pas mal, vous allez voir par vous-même quand vous allez la tester, hein, la custom et tout, franchement elle vaut vraiment la peine. On descend un petit peu en bas, pour ceux qui ont GTA Plus, bah vous avez la DVST à 0$, hein. Donc voilà, elle est sortie avec le DLC Arena War, franchement très bon véhicule et en plus elle a des nouvelles customisations. Donc voilà, bon, maintenant on va tout simplement sur Arena War, nous avons un seul véhicule en promotion, on va ici, et c'est celui-là. Franchement, à vous de voir si vous voulez lâcher. Donc voilà, regardez les customisations, comment ils deviennent. Moi je préfère personnellement, la vérité, moi je préfère franchement Cauchemar. Dites-moi vous dans les commentaires, en promotion, hein, regardez, il y a taille spéciale, et l'achat immédiatement à 237 000 dollars. Donc voilà, maintenant, on va sur San Andreas, et on descend un petit peu en bas, vous allez voir. Il y a quelques véhicules en promotion, bon, il y en a beaucoup même. On a la Dominator GTT au prix de 640 000 dollars. Un véhicule assez pas mal qui est sorti avec aussi le DLC Tuner. On dirait qu'il n'y a que les véhicules Tuner qui sont en promotion cette semaine. Et juste à droite, aussi un véhicule assez pas mal que je vous conseille énormément. Quand vous allez le custom, vous allez vraiment être choqué. Il a des customisations assez pas mal. C'est un véhicule à deux places aussi. Il est au prix de 719 000 dollars. Très bon véhicule que je vous conseille énormément. En plus, il est en promotion. Vous économisez à peu près 300 000 dollars, assez pas mal. On descend un petit peu en bas et nous avons un véhicule à 661 000 dollars. Franchement, la vérité, là, vous n'allez pas me dire dans les commentaires, Yaya, les promotions sont pas ouf. Hein. Franchement, là, en vrai, si les promotions ils sont assez pas mal, surtout que là, il y a vraiment bah, des promotions que de DLC carte mythe. Hein. On sait pas pourquoi, donc voilà. Et aussi un peu de l'Arena War. Regardez, on a un autre véhicule de l'Arena War qui est sorti. 232 000 dollars, moi je vous le conseille, bof bof, hein, si vous avez de l'argent à claquer, oui, mais si vous êtes juste avec juste 3-4 millions, je vous invite vraiment pas à lâcher parce qu'il n'a pas vraiment des customisations de ouf, donc voilà. Bon, maintenant, bah, tout simplement, on va aller sur Benny. Sur Benny, nous avons un véhicule gratuit, si je me trompe pas, attendez, je vais voir ça tout de suite, on descend un tout petit peu en bas, et nous avons celui-là, à 0$, je sais pas pourquoi, 0$, what the fuck, ok. Au lieu que vous le payez à 105 000 dollars, bah vous l'avez à 0 dollars. Donc voilà, c'est une petite promo qui nous ont mis Rockstar, un petit cadeau, je sais pas pourquoi. Donc voilà, après, il n'y a pas d'autres promotions sur Maze Bank, malheureusement, il n'y a rien. Arena War, il n'y a rien. Warstock, il n'y a rien. Regardez, il n'y a rien du tout, les abonnés. Hein. Warstock, j'ai l'impression que Rockstar, ils n'aiment plus le site, hein, la vérité. Et là, vous avez le véhicule du podium. Franchement, le véhicule du podium, moi, je kiffe. Il est, on dirait un petit pot de yaourt. Franchement, il est vraiment pas mal. Regardez, je vous fais un petit tour avec. Franchement, stylé de ouf, je sais pas. Moi j'ai envie de l'avoir et le tester, le custom en live et tout. Franchement, c'est vraiment pas mal les abonnés. Bon, là je vais vous montrer les petits bonus de la semaine. C'est parti, let's go. On va sur en ligne, jouer activité, tac tac, créé par Rockstar. Et on va tout simplement ici, épreuve de survie. Il y a quelques épreuves de survie qui sont doublées, par exemple celle-là. Je peux pas vraiment donner mon avis parce que les épreuves de survie, personnellement, j'en fais pas trop. Hein, ni en live, ni en privé. Hein. Franchement, la vérité, j'en fais pas trop. Donc, à voir si doubler c'est rentable ou pas. Et dans les missions, on a quelques missions doublées aussi. Regardez par exemple ceux-là. Attendez, c'est ceux-là, ouais. Ok, c'est ceux-là. Cette mission, je la connais même pas. Je sais même pas si j'ai déjà fait une fois. Je crois pas. Hein. Attendez, on a qu'une seule mission doublée. Oh non, non, là, celle-là aussi. Regardez, attendez, elle est là. Bon, là, vous allez sur mission et vous allez voir par vous-même. Et puis voilà. Après, on n'a pas d'autres activités doublées. En message épinglé, je vous mettrai. Je vous mettrai. Les bonus s'il y a un business doublé. Et puis voilà, en espérant que la vidéo vous a plu, on se laisse sur ça. Allez, salut les abonnés, merci.